Bonjour mes petites étoiles. Alors me voici aujourd'hui pour une guidance sentimentale. Mes guides m'ont demandé de vous faire une guidance sentimentale pour voir l'évolution de votre situation amoureuse. Moi je ressens que vous êtes toujours dans l'attente, que il y a des choses qui bougent mais pas comme vous voulez. Donc on va regarder ce que les anges et mes guides et tous les êtres de lumière veulent bien me dire par rapport à votre situation sentimentale. Là, je ne sais pas encore réellement le titre de la, comment dire, de la guidance, hein, du tirage sentimental, mais je sais que lors du tirage, j'aurai le titre, d'accord? Donc là, je viens avec enfin, cette vidéo, déjà pour remercier toutes les personnes qui me suivent, qui s'abonnent à ma chaîne. Vraiment, merci du plus profond de mon cœur. Bienvenue aux nouveaux abonnés et merci d'être là pour tous les abonnés qui me suivent depuis le 14 juillet 2019. Parce que vraiment, je vous aime très 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 fort. Vous m'apportez énormément par rapport à vos commentaires de gratitude, à vos mails. Merci infiniment. Donc, je vous présente. Alors, Maria m'a envoyé une magnifique boîte de cadeaux de Noël pour moi. Regardez comme elle est belle, cette boîte divine. Alors, c'est la boîte divine du papillon magique. Regardez comme c'est beau, les couleurs, comment elle brille. Elle est magique, cette boîte. Elle est magnifique. Et alors, elle a marqué Angel Lumière Divine sur le côté. Elle réalise ses boîtes. Vous pouvez aller sur sa chaîne, d'accord? Sa chaîne YouTube, c'est Maria Ange et Archange d'Amour. Et c'est vraiment fait avec beaucoup d'amour et de belles énergies divines. Comme je vous expliquais dans la vidéo d'aujourd'hui, vous savez, du calendrier de l'Avent, il y avait la boîte de la boîte divine, en fait. Et donc, c'est ça, une boîte divine. Voilà. Donc, regardez, en plus dedans, elle m'a mis, il y avait un petit ange doré, magnifique. Regardez comme il est beau, cet ange. Voilà. Donc, je vais le mettre à côté de moi pour le tirage. Et il y avait un cœur aussi. Voilà. Donc, ça va être un tirage sentimental aujourd'hui, mes petites étoiles que je vous apporte. On va voir l'évolution, on va voir ce qu'on veut bien nous dire par rapport à la relation amoureuse que vous êtes en train de vivre. Alors, voilà. Ah bah tiens, je vais le mettre là. Là, je vais mettre le cœur. Ça me donne une idée. On me donne une idée, mes anges. Voilà, au-dessus de mon étoile. Donc, vous la verrez pour la prochaine guidance du calendrier de l'Avent. Voilà, j'ai toujours le petit ange de Manon, hein, qui est là, qui nous porte bonheur et qui nous amène des très belles énergies. Et je vais mettre le petit ange doré de Maria à côté de lui. Voilà, pendant ce tirage sentimental avec du quartz rose. Voilà. Donc, j'ai vraiment fait mon possible pour envoyer les bracelets aux personnes qui m'avaient commandé à l'avance les bracelets pour les cadeaux de Noël. Donc, je pense que j'y arrive là. Il m'en reste quelques-uns. Donc, merci. J'ai demandé à l'univers, à Jésus, à Marie de m'aider à réaliser tous ces bracelets pour pouvoir les avoir au pied du sapin. Donc, je remercie l'univers. En tous les cas, voilà. Pour toutes les personnes qui souhaitent des bracelets énergétiques et porte-bonheur que je réalise en médiumnité pour vous, hein, ce sont des bracelets uniques, n'hésitez pas à me joindre par mail à angel.lumière.divine@gmail.com. Je vous remonte la boîte magnifique que Maria m'a faite pour mon cadeau de Noël. Elle est juste magique, magnifique. Vraiment des belles énergies. Donc, n'hésitez pas à la contacter, d'aller sur sa chaîne. Je ne sais pas où je vais la mettre. YouTube. Pour lui commander une belle boîte divine. Donc, vous pouvez mettre vos demandes, vos prières dedans. Et lâcher prise. Et normalement, tout va bouger et va être exaucé. Puisque moi, j'ai déjà pu constater que ça fonctionnait. Alors, lui, il veut pas tenir. Je ne sais pas pourquoi. Je vais le mettre là, tiens, je sais pas. Voilà, on me dit de le mettre comme ça. Voilà, donc j'ai mes anges, j'ai mes bougies, j'ai maman Marie. Ah oui, et j'ai mis la Sainte Famille parce que j'ai une bougie de Marie de Lourdes, la Sainte Marie de Lourdes qui est là. Et là, c'est la carte de Joyeux Noël que Maria m'a envoyée. Et donc, il y a la Sainte Famille. Donc, je l'ai mise ici pour que ça nous porte bonheur et chance. Alors, on va commencer le tirage sentimental. On va voir un petit peu la situation de ce qui se passe, comment ça évolue. J'espère que vous m'entendez bien. J'ai pas eu le temps de faire mes ongles parce que je fais les bracelets, je fais tout en ce moment pour avancer. Voilà. Alors, on va regarder un petit peu la situation sentimentale.
de la personne qui regarde la vidéo. Alors, on me parle d'un voyage, on me parle du juridique, enfin, de la justice. Il y a certainement y a une situation, peut-être un divorce, peut-être une situation judiciaire, enfin, on me parle d'avocat, on me parle de... Alors, peut-être que la personne que vous aimez, qui est dans votre cœur, est dans le milieu de la loi, hein, peut-être avocat, juge, etc. Notaire, enfin tout ce qui touche, ou policier, tout ce qui touche à la loi et à la justice. Et après, on parle d'un voyage. Donc, il y a certainement un voyage là qui se prépare, peut-être pour les vacances de Noël. On parle de train, on parle de... Par contre, on parle, alors là, c'est marrant, on parle de justice divine. Il y a la justice divine là qui arrive par rapport à votre situation sentimentale. Alors, on va regarder. Donc là, on fait un premier tirage et on continuera sur Vimeo, hein, comme d'habitude, pour avoir plus d'informations si vous le souhaitez. Oui. Alors, moi, je vois deux femmes. Je vois deux femmes dans cette situation amoureuse. Alors, je vois une personne fausse. D'accord? Quelqu'un qui est fausse, qui porte un masque dans cette histoire d'amour. On me parle d'argent inespéré. Peut-être que cette personne fausse est attirée par l'argent. L'argent, hein? Quelqu'un qui est plutôt vénal. Et on me parle d'une femme... Mais qui a des problèmes d'argent. Vous voyez, on voit une femme là qui a des problèmes d'argent. Voilà, une femme qui est plutôt dans la pauvreté, d'accord? Quelqu'un qui a du mal à s'en sortir financièrement. Alors, l'ange de Manon est tombé. Voilà. On va regarder un peu plus ce qu'on veut bien me dire. Alors, il y a un homme riche, en effet, qu'une personne fausse. Quelqu'un avec le tribunal. Donc, il y a une affaire, oui, qui va aller au tribunal. Et on me parle d'un mariage, on me parle d'un décès. Et je vois qu'il y a une femme qui se retrouve... Il y a peut-être une histoire de succession, là. Vous voyez, il y a quelqu'un de riche, d'accord? Quelqu'un, là, un homme, qui a une très bonne situation. Mais qui est entouré d'une personne fausse. Il y a quelqu'un qui est plutôt là pour son argent, à cet homme, parce que c'est un homme riche. On parle de procès, il y a une question d'argent, une question de divorce peut-être. Moi, je ressens que cet homme s'aperçoit que cette personne est fausse. Il est en train de le sentir, il est en train de s'en apercevoir. On parle d'une femme veuve, peut-être dans cette histoire, une maman. Il y a eu un décès. Et suite à un décès, peut-être que cette personne se retrouve seule et a un problème d'argent. Vous voyez? On parle d'un mariage et la fin d'un cycle. On parle de vol. Pour moi, il y a une histoire de vol dans une histoire. Il y a quelqu'un de faux. Il y a quelqu'un qui va essayer, alors soit qui a essayé ou qui va essayer de vous voler. Méfiez-vous. Moi, je ressens que c'est plutôt l'homme. L'homme qui a de l'argent va se faire voler par une personne fausse et ça va aller au tribunal. D'accord?
Il y a une histoire comme ça, en tous les cas. Parle de jalousie, il y a une femme jalouse. Hein. On me dit que vous êtes sur le bon chemin. La route est encore longue dans cette histoire d'amour, vous voyez mes petites étoiles, mais vous êtes sur le bon chemin, vous suivez les papillons là, vous êtes sur la libération, sur le changement vers la lumière. On me parle du numéro 35, peut-être que c'est un âge, peut-être que c'est un chiffre important pour vous. Et alors si on vous additionnait 3 et 5, ça fait 8. Donc c'est vraiment quelque chose. Je sens qu'il y a vraiment un amour inconditionnel et éternel. Hein. Vous êtes sur le bon chemin, en tous les cas. Vous allez vers la lumière. Pour moi, on me dit que cet homme va avoir la lumière sur cette histoire qui est au tribunal, qui va aller au tribunal pour se défendre par rapport à cette personne fausse. Il y a quelqu'un de malade aussi. Hein. Là, il y a quelqu'un qui est à l'hôpital. On me dit que vous allez le voir régulièrement, cette personne. Mais il y a vraiment quelqu'un de malade. Alors, c'est peut-être vous ou la personne de votre cœur. En tous les cas, il y a quelqu'un qui est malade. Alors, on me parle peut-être d'une femme. Vous voyez, dans le tirage, maintenant, je vois une femme d'un certain âge. Peut-être une maman, une grand-mère, quelqu'un. Et on me parle. Je suis désolée d'une maladie, mais et aussi d'une mort, d'un décès. Hein. Ça, malheureusement, c'est pas pour tout le monde, hein, rassurez-vous. C'est un tirage général et intemporel. Vous allez avoir un message inquiétant. Alors, certainement, vous allez apprendre des nouvelles par rapport à la santé de quelqu'un. Et ça va vous inquiéter. Par contre, je vois que vous avez la réussite, vous avez les grands honneurs, hein, professionnellement. En tous les cas, ça va très 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 bien. Aussi bien pour cet homme que pour vous. Alors, je vois un homme là. On dirait qu'il est en train de réfléchir, vous voyez, pour un nouveau départ. Un nouveau départ, mais il ne sait pas comment s'y prendre. Voyez, pour moi, il y a eu une rupture, il y a eu une distance. Il veut un nouveau départ, mais il ne sait pas comment revenir. Il ne sait pas comment revenir après avoir pris du recul et avoir rompu avec vous. Personne militaire là. Alors soit c'est un militaire, soit c'est quelqu'un qui porte un habit pour son travail particulier. Quelqu'un d'autoritaire, quelqu'un qui est plutôt ouais, qui a du caractère. Hein. Cet homme, en tous les cas, c'est quelqu'un qui a du caractère, qui est assez comment dire? Pas fermé, mais c'est quelqu'un de droit, c'est quelqu'un qui a, il a des principes et il veut pas en démordre. Voilà, c'est quelqu'un qui. Voilà. Ouais. Alors, il y a la famille derrière, il y a la communauté, c'est tous ses amis, etc. autour de vous, de cette histoire. On me parle d'honneur quand même. C'est quelqu'un qui est. C'est pas n'importe qui, c'est quelqu'un qui est renommé dans son domaine, qui a fait ses preuves professionnellement. Et là, il y a un gain exceptionnel qui arrive hein, avec le 11. Alors pour moi, ça veut dire que ça peut être un gain exceptionnel d'abondance, d'argent, de prospérité, mais aussi un coup du hasard, une grâce. Vous voyez, avec le chiffre 11, pour moi, c'est les flammes jumelles. C'est le retour de l'être aimé. Pour moi, ça signifie ça. Parce que je ressens que bah, l'argent, c'est pas forcément ce qui vous attire le plus. C'est pas ce que vous attendez le plus. Mais là, il y a le jackpot. Hein, parce que vous êtes désespéré. Hein. Moi, je sors désespoir.
Alors, soit c'est vous, alors je sens que vous êtes désespéré, mais je dirais que c'est plutôt lui. Je ressens que la personne que vous avez dans votre cœur, si vous êtes une femme, c'est un homme, il est complètement désespéré. Là, il ne sait pas comment sortir de cette impasse. Pour moi, il a perdu vraiment gros, beaucoup d'argent, à cause de cette femme, fausse, qui lui a vraiment pris beaucoup d'argent, qui a profité de sa gentillesse, qui a profité de sa naïveté. Et là, il ne sait pas trop comment s'en sortir. On me dit qu'il essaye de demander à sa famille, à ses amis, de l'aider financièrement. Il y a quelque chose comme ça. Vous allez avoir des nouvelles, vous allez avoir des messages de cet homme, hein. Chiffre 7, ça peut être le 7 janvier, ça peut être dans 7 jours, ça peut être dans 7 heures, ça peut être à 7 heures, ça peut être... voilà, c'est le chiffre 7 pour les nouvelles. Tous les cas, je sens beaucoup de tristesse, hein, je sens que cet homme s'est fait avoir. Vous voyez, il s'est fait avoir dans ses sentiments, par rapport à ses sentiments, par rapport à l'argent. Il ne pensait pas perdre autant d'argent à cause de cette personne. Et là, il ne sait plus trop comment s'en sortir. Là, c'est le désespoir total, hein. Il est seul, il se sent seul, il est... voilà, il n'est pas bien. Je dirais même qu'il en est tombé malade, hein. Il est en train de tomber malade par rapport à son désespoir. Mais il y a le succès en amour, donc pour moi, ça va s'arranger, mes petites étoiles, d'accord? Il y a encore, il y a l'amour. Vous allez avoir un message d'amour. Alors, on va voir comment ça va se passer là. Alors, on va essayer de... je vais encore vous donner des messages sur YouTube et puis ensuite on passera sur Vimeo pour voir la suite. Alors, qu'est-ce qu'on va prendre? Qu'est-ce qu'on me dit de prendre? Attends, je vais prendre ça vite fait. Alors, sentimentalement, qu'est-ce qui va se passer pour la personne qui regarde la vidéo? Il va y avoir une sortie, vous allez vous faire belle. C'est normal, il y a les réveillons qui approchent. Alors, c'est un tirage intemporel si vous le regardez, et général si vous le regardez hors période des fêtes. Vous pouvez le regarder. Donc, vous êtes une femme, apparemment, ou il y a une femme dans votre cœur qui aime s'habiller, qui aime se faire féminine. Si vous le regardez hors période des fêtes, c'est pas grave. Ça veut dire que vous allez quand même sortir, faire une sortie, vous faire belle. Il y a une attirance. Il y a une forte attirance, une alchimie entre cette personne et vous. C'est plus fort que vous, hein. Vous posez des questions, vous vous dites, mais comment ça se fait que je suis attirée par cette personne? Parce que je ressens que cette personne, on me dit dans mes médiumnités, que c'est pas du tout le style de personne que vous aimez d'habitude. C'est pas le genre de personne qui vous attire. C'est que, et vous, il vous a fait souffrir. Moi, je ressens qu'il y a eu de la souffrance. Vous êtes en pleine réflexion, en plein recul, en train de vous dire, mais pourquoi? Qu'est-ce qui m'attire et pourquoi je suis autant attirée par cet homme? Pourquoi j'arrive pas à m'en décoller, à m'en défaire, vous voyez, comme un aimant. Là, on voit qu'il y a une prise de décision, une prise de choix. Vous attendez une décision, un choix. Vous vous posez pas mal de questions, hein. Parce que là, on me parle de silence, hein. Cette personne est dans le silence actuellement vis-à-vis de vous, hein. Mais il va y avoir une renaissance, une reprise de relation. Peut-être un enfant aussi.
Alors, on va regarder. Il y a quelque chose de soudain, quelque chose d'inattendu qui arrive. Il y a une grâce, il y a quelque chose là qui arrive. Comme la justice divine, je vous disais tout à l'heure. Pour moi, il y a la justice divine qui va rentrer en ligne de compte. On parle de temps et de patience par rapport à votre attirance, par rapport à votre alchimie. On vous dit qu'il faut encore être patiente ou patient parce qu'il y a un amour inconditionnel et véritable. Vous vous posez la question, mais moi, je vous réponds là maintenant tout de suite. Pourquoi vous êtes aussi attiré par cette personne? Parce qu'il y a l'amour inconditionnel et véritable dans cette relation. Et il y a une guérison. Tout à l'heure, on parlait de malade. Il en était malade. Hein. Cette personne de votre cœur se rend malade. Il y a une guérison par rapport à cet homme, à cette personne. Moi, je dis homme parce que je suis une femme. Mais si vous êtes une, si vous êtes un homme, ça peut être une femme. Vous voyez, c'est, il faut vraiment... Bon, alors vous allez vous poser une question, mes petites étoiles, là tout de suite maintenant, parce que j'ai une réponse dans la main, d'accord? Donc posez-vous la question, mettez sur pause, je vous laisse quelques instants, réfléchissez bien à la question, posez-la. Ne croisez pas les jambes ni les bras et posez la question à l'univers, aux anges, à Maman Marie et à Jésus, où vous allez avoir une réponse. Et la réponse, elle est oui. Oui. Moi, je ressens que vous vous posez la question si vous devez choisir cette personne ou si cette personne vous aime. Et la réponse est oui. Où va-t-il ou va-t-elle revenir vers vous? C'est oui. Alors, on va voir maintenant. On me dit d'aller sur Vimeo. On va quand même vous tirer une carte d'un message. Qu'est-ce que l'univers veut vous donner comme message? Par rapport à cette relation amoureuse. Après, vous pouvez me suivre sur Vimeo. On va un petit peu, on va vraiment approfondir la question. Qu'est-ce qui va se passer par rapport à cette attirance? Alors. Alors là, j'ai une carte, mes petites étoiles. On vous dit, préparez-vous à déménager. Donc, les choses ont bougé. Il y a un déménagement dans cette histoire. Hein. Alors, l'achat d'une maison est à prévoir. Une occasion intéressante s'offre à vous. Vous pensez vendre. C'est le moment pour installer une pancarte devant votre demeure. Vous avez envie de changer d'air, de décor. Allez-y, faites les recherches. C'est l'appartement de vos rêves va bientôt se libérer. Car l'appartement de vos rêves va bientôt se libérer. Il vous faudra être prêt, réorganisation et déménagement à votre travail. Voilà mes petites étoiles. Ça me parle de communication avec ce nid d'oiseau, là, cette cabane d'oiseau. Il va y avoir la communication, d'accord? Alors maintenant on va regarder, je vais vous tirer encore une seule carte et puis après on ira sur Vimeo. Ce que votre ange gardien vous dit par rapport à cette situation amoureuse. Et après, on va vraiment développer, voir qu'est-ce que cette attirance, comment cette attirance va évoluer par la suite. Hein, d'accord? Alors là, c'est votre ange gardien qui vous dit « Abandonne le déni ». Pendant que tu refuses de voir la réalité, je te sers tout contre moi. Je tente de te consoler. Je t'aide non seulement à voir la vérité, mais surtout à trouver des solutions. Ce n'est pas par plaisir que je veux que tu acceptes la situation, mais bien pour que tu en tires une leçon, pour ne plus avoir à le revivre. Donc certainement, vous avez quelque chose à accepter.
hein, dans cette situation amoureuse. En tous les cas, votre ange gardien est là avec vous. Il vous sert contre lui. Il vous soutient pendant cette épreuve. Moi, je ressens que vous êtes en non-communication, que vous êtes en souffrance, que vous attendez, que vous voulez voir plus clair. Vous vous posez plein de questions. Pourquoi cette attirance? Pourquoi cet homme ou cette femme? Et etc., etc. Donc là, on va vraiment développer sur Vimeo, voir un petit peu et même carrément l'évolution de cette relation par rapport à cette attirance que vous n'arrivez pas à vous expliquer et que vous ne comprenez pas pourquoi. Pourquoi lui, pourquoi et pourquoi vous l'attendez encore. Voilà, j'espère que ça vous a donné des réponses. En tous les cas, n'hésitez pas à liker, partager, vous abonner, mes petites étoiles, c'est très important. Comme ça, vous recevez l'info par mail comme quoi je suis connectée sur YouTube, hein, que vous avez une nouvelle vidéo avec le calendrier de l'Avent également, tous les jours jusqu'à Noël. Voilà, voilà mes petites étoiles. Donc, n'hésitez pas à m'envoyer un mail pour les guidances privées ou pour les bracelets énergétiques porte-bonheur personnalisés. Je vous embrasse très, 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 très fort et je vous dis à demain. Belle journée. Au revoir.